Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode de mon 26 bébé challenge survival. Mais d'abord, il faut que je vous explique. J'avais tourné cet épisode. Il était nickel. Donc je vais vous le résumer très très vite fait. Donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, donc les personnes qui me suivent, vous êtes au courant. Mais c'est que j'ai eu un problème. Et en ce moment, avec le jeu des Sims... Et mon PC, en gros, parce qu'il n'y a pas que les Sims, hein, c'est que j'ai beaucoup de bugs, de lag, c'est une horreur. Alors là, j'ai déjà supprimé tous mes contenus perso de mon jeu, donc ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et donc j'avais tourné l'épisode, et au moment de le monter, déjà au moment de le tourner, j'avais vu que j'avais eu beaucoup de lag, machin... Ça m'avait déjà pris la tête, voilà, pour tourner un épisode de 20 minutes, il m'a fallu 50 minutes pour vous expliquer à quel point je m'étais bien pris la tête, parce que ça n'arrêtait pas de planter, j'ai même mon jeu qui s'était éteint en mode, voilà. Et donc, au moment de faire le montage, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais couper tous les moments où ça a planté, machin, machin. Sauf que, impossible de le monter, je me suis retrouvée avec une vidéo avec un décalage son, il y avait un décalage son, mais au moins de 3 minutes. Donc, c'était horrible le truc, c'est... Donc, je vous ai fait... Je vous ai gardé en fait sur l'épisode de 20 minutes, enfin il faisait 20 et quelques minutes, je vous ai gardé donc je crois 3 ou 4 minutes pour vous faire un résumé de ce que vous avez loupé. Donc ça m'ennuie vu que le résumé, ben Samantha a enfin son rendez-vous avec, avec notre futur papa et voilà. Mais enfin je vous laisse regarder, donc je vous ai fait un mini résumé et juste derrière on enchaîne, bah j'ai tourné un autre épisode donc... juste derrière, mais vous allez voir que celui qui est juste derrière a aussi des petits lags, mais normalement il n'y a pas de décalage de son, mais il y a aussi des petits lags, donc je m'en excuse, le problème va être résolu, ne vous inquiétez pas, l'achat d'un PC est prévu pour très très prochainement, donc ça ira beaucoup mieux, et en espérant que ça résout, ouais, normalement, enfin, je pense... Je vous raconte mon blabla. Hein. C'est, je pense que le problème actuel de mon PC, c'est le processeur en fait qui ne suit plus. Et je pense que si je passe là actuellement, j'ai un i5 et je pense que si je passe à un i7, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, bon, je vous laisse regarder l'épisode et voilà. Donc, la semaine passée, c'était un épisode spécial relooking où on a relooké toute notre petite famille. Et là, donc, on continue l'aventure et on va retenter que Samantha tombe enceinte. Attendez, je crois que lui, il a faim. Et mais regarde, t'as ça par terre. T'as même du gâteau. J'aimerais bien qu'on... Oula, il y a un truc qui est pourri dedans. Ouais, ouais, Alicia, c'est bien. Continue à voler les objets. De toute façon, en plus, on est super pauvres, c'est horrible. Je vous disais que ça serait bien qu'il continue, lui, à peindre pour justement nous ramener du fric. Qu'on continue à améliorer la maison, tout ça, tout ça. Et Alicia. Et ben, Alicia, c'est pareil, t'as faim, machin. Attends, bah, regarde. Prendre un morceau... Et va regarder la chaîne humour. Voilà. Les deux petits. Ah bah les deux petits vont bien. Enfin lui va bien. Alors attendez, les deux petits, on va les occuper. Oh, il y a déjà un petit qui dort. Pourquoi l'autre? Ah mais l'autre il fait ses devoirs. Juste en faire en sorte qu'elle aille creuser. Parce que là on commence vraiment à avoir besoin de fric. Et après, ils vont faire dodo. Et après, faudrait vraiment qu'on arrive à qu'elle tombe enceinte. Hein. Alors, attendez, on va pouvoir regarder tout ce qu'elle a récolté. Alors, elle a eu ça. Voilà, déjà, on est remonté à 500. C'est déjà un petit peu mieux. Non, quand le prochain va naître, là on fera grandir Alicia et Alicia partira carrément dans une vraie carrière vu qu'elle passera en tant qu'adulte parce que après je vous rappelle que ça va être la première à partir du foyer et elle ira habiter chez elle toute seule. Va-t-on enfin réussir à concevoir notre enfant
Enfin! Alors, il nous faut des toilettes pour faire direct le test. Ça y est, ça va être l'heure de la fin. Donc il faudra que je change parce que j'avais écrit qu'ils avaient été conçus, enfin que le bébé avait été conçu au sauna. Mais qu'en fait non. Mais ça y est, je crois que c'est la bonne, ça y est. Ça y est, enfin. Ah. Eh ben, on aura enfin réussi. Donc attendez, je change juste ça. Là, on reprend. Donc ça y est, vous avez vu qu'elle est enfin enceinte. Donc ça, c'est cool. Donc ce qu'on va faire dans la deuxième partie de cet épisode, c'est qu'il va falloir qu'on cherche du fric. Là, on va plus avoir le choix. Ils sont tous dans un état pétoyable. Oh non, il se fait pipi dessus. Oh, oh non, ça lui était jamais arrivé à lui, bichounette. Et lui, qu'il faut absolument qu'il aille prendre une douche. Oh mon dieu. Oups. C'est rien. Oui, mais attends, parce que... Oh, bah, va dans les buissons. Non, mais en vrai, va dans les buissons. On n'a pas le choix, là, Samantha. Voilà. Il faudrait une deuxième douche. Putain, samedi, ils travaillent pas. Et ils vont pas à l'école, en plus. Oh là là, la catastrophe, la catastrophe, la catastrophe. Très tendu. Elle, ça va, on peut résoudre. Ouais, va regarder un film. Donc j'avais continué pendant que ça avait planté, comme je vous ai dit, à avoir du fric, mais j'aimerais... Je me dis à chaque fois qu'on se prend les factures, je crois que ça monte vers... Oh, ça monte vers 3000. Elle a mis les pieds dedans. Oups. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors attends. Bon. Clément est en train de neiger apparemment. Ah oui. Attendez, mais c'est qui? Ah mais c'est la nounou. Non mais attendez, non mais pause. Non mais normal. Non mais... Pas de problème. Tout va très bien. Non, mais tout se passe parfaitement bien. Qu'est-ce qu'il y a, Bastien? Bah va nettoyer. Bah lui va bien. Et ça y est, la salle de bain. Tu peux aller prendre un bain. Vous vous débrouillez dans la maison. Nous, il nous faut qu'on continue du fric. Il faut absolument qu'on ait encore plein de fric. Est-ce qu'on... C'était où qu'on avait réussi à avoir plein d'argent? C'était pas... Ah là, ça commence à pousser. Il y en a trois qui sont bien. Là, non. Ah, tout récolté. Mais il y en a qu'un qui est prêt, non? Ouais. Ça, c'est pas prêt. Ah, si. Ah bah alors attendez, blasé, pourquoi? Récolte tout. Comme ça on va avoir ça. Ça de toute façon ils sont en train de... Ouais mais ça on va les enlever donc on s'en fout. Là j'aurais voulu attendre que tout pousse avant de tout récolter. Mais bon c'est pas grave. Récolte tout. Et ça... Pff, comme je vous dis ça je crois qu'on va les enlever de toute façon. Il y a là... Ça, ils sont pas prêts, eux. Je vais mettre tout récolté. Et ça, je crois qu'on va regarder la différence, mais il me semble que ça rapporte rien à comparer. Je crois qu'on sait ce qu'on avait déjà vu. Comme ça, on va faire un peu de changement pour l'arrivée du futur bébé. Vous savez ce qui serait pas mal? C'est d'avoir une deuxième salle de bain. Je commence à vraiment me dire qu'une seule salle de bain, là, ça commence à être vraiment compliqué. Mais vraiment. Elle est où? Ah ça y est, elle va récolter. Parce que on commence à avoir trop de Sims en fait. Et regardez, on fait la queue pour prendre la douche et pour aller aux toilettes. Moi je me dis, on va peut-être mettre une deuxième salle de bain. Ça pourrait être pas mal, surtout qu'il y a encore un autre bébé qui arrive. Alors ça, ouais, on vend. Ça on verra après. Ça... On vend.
Ça, on va. Donc, ça, on a dit qu'on enlevait pour mettre que du raisin. Parce que ça rapporte beaucoup plus. Donc, ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. À la place, on met. Pourquoi j'ai pas A? On met ça. On va mettre ça. Ça, ça, ça et ça. Donc là, ouais, on va se faire une comparaison. Elle en a 10. Ah, attends, déjà, viens planter tout ça. Donc 10, on se fait du 310. Là, on en a 60. Et on se fait du 800. Si l'autre, elle en aurait eu 60, on serait fait beaucoup plus. Donc c'est ce que je vous dis, ça rapporte pas autant que ça. Et ça, pour 40, 1400. Vous voyez la différence? On en a moins et on se fait beaucoup plus. Donc je pense, en fait, on va se mettre plein de fruits du dragon. Ça, on vend. Ouais, on va se mettre que des fruits du dragon. Ça rapporte trop, ça, c'est abusé. Il en faut plein. Je suis en train de réfléchir comment on va les mettre. Est-ce qu'elle va pouvoir les planter là? On a encore tout ça au pire où on peut planter les trucs. Bon là, est-ce que ça va mettre un blocage ou pas? Pour l'instant, non. 2008, c'est cool. Ah lui, il a disparu. Elle peut pas. Et si je le mets là? Au pire, on poussera un peu l'eau, hein. Ouais, regardez ce qu'on va faire. C'est pas bien, on triche. Enfin, c'est pas de la triche, mais enfin, si, c'est de la triche. Ma barque. Vous allez me dire après la barque, on peut l'enlever, mais non, on l'a depuis le début. Allez, on me l'enlève. De toute façon, la barque, c'était pas. On peut agrandir comme ça. Et en fait, là. Bon, par contre, ça nous a fait gagner du fric. C'est pas. Voilà. C'est pas de l'argent qu'on aurait dû avoir. Mais. Il nous faut de la place pour ça. Voilà, donc là tu dois pouvoir le planter. Plante. Tu peux pas là. Et là tu peux. Ouais. Voilà, donc ça nous a fait rajouter toute une ligne. Et est-ce que si j'en mets un dernier ici, il passe ou pas? On a 5000. Vous vous rendez compte? Je crois que c'est la première fois. Voilà, bah là ça avance bien. Et ouais, de toute façon, là, il va falloir qu'on agrandisse pour mettre un autre lit. Et on fera, je pense, une autre salle de bain. Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder le fric pour l'instant. Et je voulais aller au Festival de l'amour. Voir si on peut pas avoir des trucs. Allez, on va y aller très très vite fait. De toute façon, c'est juste pour prendre des trucs et on rentre à la maison. Et je pense que je vais faire. Ouais, je vais agrandir pour le futur bébé. Et on aura pas mal avancé. Déjà, peut-être pouvoir bouffer gratuit, non? S'il y a des gens qui bouffent. Attends, déjà, viens, on va récolter tous les produits. Voilà, tout ça nous fait toujours du fric. C'est là qu'on avait trouvé les fruits du dragon, rappelez-vous. Bah là, regardez, il y en a. Allez, comme ça. Ça, c'est cool. Attends, fouille les poubelles aussi.
Ah, mais j'avais pas vu dans quel état elle commence à être. Utilisez toilette. Y'a pas quelqu'un qui est en train de bouffer? Mais bouffez les gens qu'on pique dans vos assiettes! Ah! Ce serait très gentil de votre part. Manger, voilà. Prendre une douche, non, ça va pas être possible ici. Et divertissement. Peintre, diverti. Ouais, mais c'est payant. Et voilà, elle lui a piqué sa bouffe. En mode normal. Voilà, attendez, on va pouvoir. Déjà, ça, on vend. Parce que les fleurs, on s'en fout. Je sais que je sais plus c'est lesquelles qui rapportent en fleurs. Que si on plante et qu'on en a pas mal, ça rapporte, mais je sais plus c'est lesquelles. Ça. 5007, yes. Bon, t'auras bouffé. Et les trucs à décoller, vous savez. C'est où? Il n'y en a pas là? Ah si, là. Décoller, voilà. Ça rapporte du fric. Celle-ci, tu l'as pas fouillée. Le pourboire, tu peux pas jouer parce que t'es pas encore assez élevé. Et bah, de toute façon, on va rentrer parce que là, tu vas être vraiment en manque d'hygiène. Allez, on sera fait un peu de fric. Ça, c'est cool quand même. Voilà. Et on rentre. Mortifié? Pourquoi elle est mortifiée? Ah, elle s'est fait pipi dessus et il a vu qu'il y avait des gens. Oh, elle est passée à deux. Non, arrêtez, ça me fait trop flipper. Oh, vous imaginez si Alicia elle meurt? Attendez, on va faire une sauvegarde. Mortifiée. Le truc que j'ai rêvé d'avoir dans mon. Dans mon Black Widow Challenge, et là, je le fais sans le vouloir. Attendez, faut la divertir déjà, faut qu'elle essuie ça. Regarde la télé. Ça va aller, Alicia, tu meurs pas, hein. Bon, je pense que ça devrait aller. J'espère. Oh, ça m'a fait flipper. Bon, vous voyez, voilà, ils ont tous envie d'aller aux toilettes. Allez, c'est parti. On va juste faire quelques petits agrandissements. Donc ça, je pense qu'on va les vendre. Et puis ça fera ça en moins à nous occuper. De toute façon, vu qu'on a de plus en plus de gosses, ça va commencer à être chaud. Ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui faire une partie à elle. J'active juste le code pour pouvoir fusionner mes objets. On va couper comme ça en fait. Bon, ça me fait vendre des trucs. Ouais, ce qu'on va se faire, on va se rajouter. Si on se rajoute ça, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Voilà, et en fait, on peut lui faire sa mini chambre ici, et comme ça, là, on pourra rajouter le lit du futur bébé. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, elle aura peut-être un petit peu d'intimité. Bon, attends, je déplace ton lit, tu permets, hein. Voilà, je vais juste lui mettre le même sol. On lui met le même papier peint, sinon c'est pas cohérent. Et par contre, ma deuxième salle de bain, où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce que j'agrandirai encore ici? Parce que là, il nous faut vraiment une deuxième salle de bain. Genre, on agrandit là. Au pire, on se la met là, la deuxième salle de bain. Ça donne ça. Là, on prend ça, on fait ça. Euh,
Ouais, pourquoi pas? Bon, je vais prendre les trucs. Attendez, il n'y a pas moins cher. 120. Eh, mais il y a beaucoup moins cher. Ah bah il fallait le dire plus tôt. On va juste mettre une douche. Et un miroir. Je prends les trucs les moins chers. On va prendre lui, je préfère quand même lui. Je vais juste mettre toujours pareil. On va mettre ça là. On met lui. Et la lumière. Voilà. Comme ça, au moins, on a une deuxième salle de bain. Bon, on n'a pas de tapis. On n'a pas, toujours pas de décoration. Mais là, on pourra mettre le lit du futur bébé. Bon. Là, il faut juste que j'arrange parce que maintenant, c'est moche. Donc là, on ferme la piscine. Yes, c'est bon, ça le fait. Ce que je vais même faire. Ce que je vais même faire, parce que là ça fait trop droit, c'est qu'on va partir comme ça. Voilà, ça casse un peu le truc, ça ira mieux. Là, je remets tout ça. Attendez, si on passe en mode jour, en fait, on verra peut-être mieux. Voilà. Et là, par contre, il faut que je rajoute tout ça. Voilà, pour que ça soit toujours dans l'esprit. Et oui, j'aurais pas dû les vendre les autres. Parce qu'au final, l'argent que je gagne en bas, je le perds en haut. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai enregistré, mais je vous ai avancé et je commente par-dessus, comme quand je vous présente une construction, parce que vous voyez là, il y avait un creux et j'aimais pas du tout, je trouvais ça moche. Alors, j'ai tout retravaillé encore une fois, donc j'ai agrandi et au final, la chambre est plus grande, la salle de bain aussi, et ça fait beaucoup mieux comme ça, donc je vous ai tout mis en accéléré, sinon ça vous aurait rajouté 9 minutes en plus dans l'épisode et je pensais que ça allait vous faire, enfin c'était, ça faisait trop long sinon. J'espère en tout cas vraiment que ces changements, pardon, vont vous plaire, que Samantha elle a enfin sa chambre et puis comme ça on a de la place pour nos futurs enfants. Je vous laisse là-dessus pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la suite de sa grossesse. Je vous fais des gros gros bisous et à la semaine prochaine.